14e la saison dernière, le FC Metz vise de nouveau le maintien. Guingamp de son côté mise sur la stabilité pour son 5e exercice de rang parmi l'élite. Et peut-être mieux que sa récente 10e place. Les Grenats ont recruté Nolan Roux pour pallier au départ de Diabaté et Erding. Le jeune Ismail Assar a rejoint Rennes. Et Cheikh Doucouré est parti dans le club espagnol de Levante. En fait, l'Argentin Jeronimo Poblete remplace l'Ivoirien au milieu de terrain. Pas beaucoup de changements dans les rangs bretons qui ont vu partir simplement Marçal à Lyon. L'international portugais Pedro Rebocho occupe le poste de latéral gauche. Les Messins livrent un très bon début de match qui va être conclu par l'ouverture du score de Nolan Roux, qui n'avait plus marqué depuis fin janvier ni même été titularisé depuis près de 5 mois. Il est servi idéalement par Renaud Coad. Un but d'ancien Stéphanois. Et au quart d'heure de jeu donc, Metz mène 1-0. Ce but va avoir le mérite de réveiller les Guingampais. Le ballon de Salibur pour Marcus Coco, qui est beaucoup plus rapide que Milan Bisevac, contraint de commettre une faute. C'est un pénalty indiscutable. Jimmy Briand se présente devant Thomas Didillon et le prend à contre-pied. Un but partout à 5 minutes de la fin de cette première période. Jimmy Briand qui a prolongé son contrat cet été ici en Bretagne. Un partout à la pause, auteur d'une bonne première demi-heure. Les Messins ont laissé les Guingampais reprendre la maîtrise du jeu et égaliser par leur capitaine. Avant l'heure de jeu, Antoine Comboiré a effectué des changements avec l'entrée de Blas à la place de Camara. Et un changement de système de 4-4-2 à 4-3-3. Et ce changement va s'avérer bénéfique puisque Ludovic Blas va marquer le but du 2-1 en faveur de l'en avant Guingamp. Modèle de contre-attaque en une touche de balle ou presque. Et la lucidité, la justesse du champion d'Europe U19, Ludovic Blas, qui ne laisse aucune chance à Thomas Didillon. Blas, on le retrouve avec ce ballon distillé pour Moustapha Diallo, lui aussi entré en cours de jeu. 3-1 pour Guingamp à la 83e minute. Les Messins, qui avaient la plus mauvaise défense la saison dernière, encaissent 3 buts ce soir. On en restera là. Guingamp s'impose à l'extérieur avant de recevoir le PSG. Metz paye encore ses erreurs défensives et devra les corriger avec un déplacement à Bordeaux et la réception de Monaco dans les journées à venir.